se sont divisées, c'est-à-dire qu'elles ont fait une nouvelle reine et qu'elles ont décidé, une partie de la colonie, de partir. Alors elle prend carrément des grappes d'abeilles, qu'elle introduit dans une ruchette. Si par chance, elle réussit à attraper la reine, toutes les abeilles suivront. On leur rentrer là, hein. Elles ont l'air. C'est bon signe. Il faut dire que ce village a une particularité. Il se veut écolo. Une équipe est d'ailleurs dédiée à la préservation de la faune et de la flore. Maëline en fait partie. Son rôle, veiller sur les animaux qui vivent dans cette forêt. Les grenouilles. La queue du chevreuil. Une petite trace de fouine. En cette saison, elle fait l'inventaire de la population des espèces sur le site. Aujourd'hui, elle vient vérifier si l'habitation d'un blaireau n'a pas été endommagée par des promeneurs. Là, on est sur la maison du blaireau. C'est une galerie qui s'étend sur une très grande surface avec des entrées, des sorties. Là, on peut voir que c'est très piétiné. Voilà. Des résidents y ont laissé des détritus. C'est tout ce que lui a conçu pour vivre et se reproduire et se nourrir. Il a dû avoir une bagarre, on a une patte de lièvre. Voilà, c'est les lois de la nature, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, Maëline a une tâche beaucoup plus compliquée à accomplir. Pour cela, elle doit se transformer en apicultrice. Hop, on est parti. À seulement quelques mètres de la route, un nid d'abeilles a élu domicile sur un poteau. Elles se sont divisées, c'est-à-dire qu'elles ont fait une nouvelle reine et qu'elles ont décidé, une partie de la colonie, de partir. Elles sont des dizaines de milliers qui ont formé un nouvel essaim autour de leur reine. Ça va être dur. La difficulté pour Maëline, c'est de la trouver. Alors elle prend carrément des grappes d'abeilles qu'elle introduit dans une ruchette. Si par chance, elle réussit à attraper la reine, toutes les abeilles suivront. Elles ont l'air rentrées, là, hein. Elles ont l'air. C'est bon signe. Pourtant, les animaux qui nécessitent le plus d'attention de la part des équipes, ce ne sont pas vraiment les espèces sauvages. Il faut qu'on aille jusqu'au Amoka. En fait, on a un chien qui est toujours perdu. D'accord. Alors, let's go, on y va. Ce matin, branle-bas de combat. Il faut retrouver Jack, un Jack Russell. Les propriétaires sont sans nouvelles depuis 48 heures. Ouais, on va appeler. Jack ! Arnaud Pelletier, un des responsables du site, prend cette mission particulièrement à cœur. Jack ! Jack ! Nous, de vous déranger, on est à la recherche d'un petit chien, Jack Russell. Vous l'avez pas vu éventuellement? Ok, donc on va poursuivre nos recherches. Un grand merci, merci encore. Et c'est la panique là? C'est un petit peu compliqué parce que comme les clients sont en départ ce soir, quand bien même la réservation est jusqu'à demain, donc il faut vraiment qu'on retrouve le chien. 120 hectares qu'il faut passer au peigne fin. Jack! Viens Jack! Au total, ce n'est pas moins de 10 personnes qui sont mobilisées pour retrouver le chien. Ça fait un petit chien dans un grand village, mais on les a tous retrouvés pour le moment, donc on va continuer à les retrouver. Jack ! Chaque mois, en moyenne, 5 petits compagnons domestiques s'égarent dans l'immensité du parc. Compte tenu de l'urgence, Arnaud Pelletier sort l'artillerie lourde. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Avec très, moi. Très gentil, merci. Et si tu as des nouvelles, sait-on jamais ? Ouais. Canal 1, je veux bien, ouais. Merci encore. Cela fait 2 jours que l'animal erre dans les bois, probablement affamé. Comme ça, il viendra de là-bas. Par contre, ouais, remarque, s'il peut passer, regarde, t'as raison. Bon, moi, je préfère laisser là. Laisse là. Jack ! Bah, le pire scénario pour nous, c'est qu'on ne le retrouve pas. Car ici, le client doit forcément repartir heureux. Jack ! C'est des mauvais souvenirs, en fait, chez voilà. Nous. Peut-être qu'ils ont passé un très bon moment chez nous. Tout est gâché pour la perte de le petit chien. Ça fait mal au cœur. En attendant, celui qui a mal au cœur, c'est le propriétaire de Jack, Saïd. Son chien lui manque. Moi, je me lève, je prends un petit bout de fromage. Il se lève avec moi, il vient dans la cuisine. Je lui donne un petit bout et puis le reste, je vais manger.
Et je rentre dans ma chambre, lui il va se coucher, moi je vais me coucher. Alors ce soir, il n'est pas là. On a beaucoup d'espoir. Exactement. On garde l'espoir. Vous l'aurez compris, on sait que ô combien l'animal est important. Pour le coup, Jack a une place importante dans votre famille. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir le retrouver. Tout est important dans la vie. J'entends, monsieur. Tout. Tout. La moindre chose, elle est importante. C'est pour ça que je tenais à venir vous voir, personnellement, pour vous dire qu'au nom de Village Nature, on met tout en œuvre pour le retrouver. Je vous remercie de tout ce que vous faites. C'est normal. Et c'est très gentil à vous. Arnaud Pelletier multipliera les efforts toute la journée, jusque tard dans la nuit. Transmettez à Charles. Est-ce que vous pouvez maintenir les recherches pour ce soir avec la ronde de nuit, s'il vous plaît ? Affirmatif, les recherches continueront. Et bonne nouvelle, le petit fuyard a été retrouvé. Bonne nouvelle, et je vois, il fait son petit pipi, donc tout va bien. Le Jack Russell de Saïd s'était échappé du parc. C'est la fourrière qui l'a ramené.